Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. J'aime ma famille. Je t'aime, papa. Je t'aime beaucoup. Allons-y, écoutons cette belle histoire. J'aime ma famille. Je t'aime, papa. L'auteur, c'est Alain Estine. Je t'aime, papa. C'est une belle histoire. Pour les petits enfants. Écoutez bien maintenant. Chaque fois que la maman demandait de l'aide à Oussama, son grand-fils, dans n'importe quelle besogne, il s'énervait et se plaignait. Il disait à sa mère, toi, tu aimes le travail? Tu aimes la besogne? Toi, tu aimes le travail au foyer et mon père aime sa fonction, son métier, c'est-à-dire son travail. D'ailleurs, en plus, il ne rentre qu'à minuit. Voilà pourquoi vous ne vous plaignez pas comme moi. Chaque fois que la maman demandait de l'aide à Oussama, son grand-fils, dans n'importe quelle besogne, elle s'énervait et se plaignait. Il disait à sa mère, toi, tu aimes le travail au foyer et mon père aime sa fonction. D'ailleurs, il ne rentre qu'à minuit. Voilà pourquoi vous ne vous plaignez pas. Pas comme moi. Toi, tu aimes le travail au foyer et mon père aime sa fonction. D'ailleurs, il ne rentre qu'à minuit. Voilà pourquoi vous ne vous plaignez pas comme moi. La maman sourit et dit à son fils, après la prière de l'Asr, nous irons chez ton père à son travail. Oussama fut surpris de voir son père travailler comme menuisier dans une menuiserie. Elle a compris que son père accomplissait ce dur travail pour lui procurer ainsi qu'à ses frères une vie digne. La maman sourit et dit à son fils, après la prière de l'Asr, nous irons chez ton père à son travail. Oussama fut surpris de voir son père travailler comme menuisier dans une menuiserie. Il a compris que son père accomplissait ce dur travail pour lui procurer ainsi qu'à ses frères une vie digne. La maman sourit. Il dit à son fils, après la prière de Al-Asr, nous irons chez ton père à son travail.
Osama fut surpris de voir son père travailler comme menuisier dans une menuiserie. Il a compris que son père accomplissait ce dur travail pour lui procurer ainsi qu'à ses frères une vie digne. Une vie digne. Pardon, très triste, très malheureux, Oussama se met à embrasser la main de son père en lui disant: Je croyais que tu n'exerçais que dans ta fonction et te reprochais ton retour tardif, c'est-à-dire en retard, pendant mon sommeil. Pardonne-moi, papa. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Très triste, Osama se mit à embrasser la main de son père en lui disant: Je croyais que tu n'exerçais, je croyais que tu n'exerçais que dans ta fonction et te reprocher ton retour tardif pendant mon sommeil. Pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Je t'aime beaucoup, je t'aime. Très triste, Oussama se mit à embrasser la main de son père en lui disant: Je croyais que tu n'exerçais que dans ta fonction et te reprochait ton retour tardif pendant mon sommeil. Pardonne-moi, papa, je t'aime beaucoup, je t'aime, je t'aime, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Le père, la mère et leur fils retournèrent à la maison et là, le père reçut ses enfants avec amour et leur donna un peu de friandise et dit à Osama: mon fils, le bonheur réside dans l'amour que tu portes à ton travail. Et non que tu accomplisses la fonction que tu aimes. Le père, la mère et leur fils retournèrent à la maison. Et là, le père reçut ses enfants avec amour et leur donna un peu de friandises, de bonbons. Il dit à Osama: mon fils, écoute-moi. Écoute-moi, mon fils. Le bonheur, oui, le bonheur réside dans l'amour que tu portes à ton travail. Le bonheur réside dans l'amour que tu portes à ton travail. Et non que tu accomplisses la fonction que tu aimes. Le père, la mère et leur fils retournèrent à la maison, et là le père reçut ses enfants avec amour et leur donna un peu de friandises et dit à Osama: mon fils, le bonheur réside dans l'amour que tu portes à ton travail, et non que tu accomplisses la fonction que tu aimes.
Oussama répondit, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que maman me demande de faire, et avec plaisir. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que maman me demande de faire, et avec plaisir. Le papa lui dit, chaque fois que tu fais plaisir à ta mère, à tes frères ou n'importe quelle autre personne, tu ressentiras un grand bonheur, comme celui que je vis et qui me fait oublier ma fatigue. Osama répondit, à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que maman me demande de faire, et avec plaisir. Le papa lui dit, chaque fois que tu fais plaisir à ta mère, à tes frères ou n'importe quelle autre personne, tu ressentiras un grand bonheur, comme celui que je vis et que me fait oublier ma fatigue. Osama répondit, à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que maman me demande de faire et avec plaisir. Le papa lui dit, chaque fois que tu fais plaisir à ta mère, à tes frères ou n'importe quelle autre personne, tu ressentiras un grand bonheur comme celui que je vis et qui me fait oublier ma fatigue. Le père, mes chers élèves, le père, une des raisons de notre existence dans cette vie, une personne extraordinaire, tendre et d'un bon cœur. Le père, une des raisons de notre existence dans cette vie, une personne extraordinaire, tendre et d'un bon cœur. Avec lui, tu ressens le bonheur, la quiétude et la sécurité. Tu trouves en lui l'affection et les meilleurs enseignements. Le père est le pilier d'un foyer, de la maison, le secret de sa stabilité et le grand rempart qui te protège ainsi que toute la famille. C'est lui, le père, qui couronne ta vie. Il est le prince et le chevalier puissant qui mène une lutte extraordinaire pour ton bonheur et la vue d'un sourire sur tes lèvres. C'est le père. Le père est le seul qui se réjouit de tes succès, surtout à l'école. Et souhaite de tout son cœur te voir mieux que lui, quelles que soient tes erreurs. Il te pardonne, te défend et te félicite à tout moment. Quelle douleur, quelle douleur, quelle douleur lorsqu'il te voit souffrir, même pour le moindre mal, et quelle joie quand il te voit sourire, même pour une minute. Le père, une des raisons de notre existence dans cette vie, une personne extraordinaire, tendre et d'un bon cœur. Avec lui, tu ressens le bonheur, la quiétude et la sécurité. Tu trouves en lui l'affection et les meilleurs enseignements. Le père est le pilier d'un foyer, le secret de sa stabilité, le grand rempart qui te protège ainsi que toute la famille. C'est lui qui couronne ta vie. Il est le prince et le chevalier puissant qui mène une lutte extraordinaire pour ton bonheur et la vie d'un sourire sur tes lèvres. Le père est le seul
qui se réjouit de tes succès et souhaite de tout son cœur te voir mieux que lui. Quelles que soient tes erreurs, il te pardonne, te défend et te félicite à tout moment. Quelle douleur lorsqu'il te voit souffrir, même pour le moindre mal. Et quelle joie quand il te voit sourire, même pour une minute. C'est le Père, mes chers élèves. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt.